Eh bien, c'est tout le monde, et ici Jean-Fils, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve, les amis, pour un défi top 1. Le défi top 1, les amis, d'aujourd'hui sera de faire un top 1 sans toucher le sol. Mais tu vas me dire, mais Jean-Fils, c'est complètement impossible. À un moment donné, tu vas te mettre à toucher le sol. Et moi, je vais te dire, écoute, depuis la saison 5, les amis, des portails temporels sont apparus un peu partout sur la map. Et dis-toi qu'on va utiliser ça pour faire notre tentative d'aujourd'hui et essayer de faire un top 1 sans toucher le sol. Je sais pas du tout si on va réussir à le faire, mais en tout cas, je sais qu'on va essayer un maximum. Les amis, en tout cas, un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Est-ce que c'est possible d'atteindre les 2000 pouces bleus pour cette vidéo? Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Merci à toutes les personnes qui contribueront aux pouces bleus. Je vous kiffe. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Et je te laisse avec le gameplay. Ok, les amis, nous sommes partis du coup pour ce défi top 1. On va essayer de faire un top 1, comme je vous l'ai dit, sans toucher le sol. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser les failles temporelles disponibles dans la saison 5 de Fortnite Battle Royale. Là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'aller jusqu'au bout de la limite pour pouvoir sauter. Et je déploie directement mon parachute. Je cherche pas à comprendre parce que notre but va être de perdre le plus de temps possible. J'espère que ça va fonctionner. On est parti pour cette première tentative. Donc, j'ai fait un petit trajet, on va voir si ça va fonctionner. J'espère avoir de la chance parce qu'il faut beaucoup de chance. C'est la première tentative, je ne sais pas encore comment ça va se passer. On va se diriger vers le village viking et on va attendre de descendre. Et on va attendre aussi que les gens se tuent jusqu'à ce qu'il n'y en reste plus qu'un et qu'on le tue sans le toucher. Hein, c'est le but. Ok les amis, nous arrivons au village viking et nous pouvons voir en dessous de moi, on voit des failles. On se rapproche tout doucement, mais on sait qu'elles sont là. Ça fait plaisir. Il faudra avoir beaucoup de chance quand même parce que il se peut, enfin les failles n'apparaissent pas tout le temps au même endroit en fait. Et il y a des chances qu'ils n'apparaissent même, voire jamais en fait. Du coup voilà, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre notre première faille de cette partie comme ceci. Tac, qu'est-ce qu'on fait? On redéploie directement notre parachute. Il faut qu'on perde le plus de temps. On va essayer d'utiliser toutes les failles possibles et imaginables qui sont disponibles sur cette map. En espérant les trouver, bien évidemment. On a en trouvé juste deux ici, par exemple. Je regarde si on n'a pas d'autres derrière, d'accord? Franchement, il faut tout utiliser. Tac, encore une autre ici, par exemple. Tac. On sait qu'il nous en reste deux, il me semble, ici. J'ai peur d'aller regarder là-bas parce que c'est beaucoup trop loin. Ok, on en a deux ici. On va prendre celle-ci. Et puis, on prendra celle-là. Et puis, on ira se diriger aux autres endroits où il y a des portails. Et c'est pas super loin, c'est juste là-bas. Donc c'est parti, je regarde un petit coup d'œil si on n'a pas. Ah, il y en a encore un, il y en a encore un magnifique. On va prendre celui-là du coup, hein, quand même. Je pense que c'est le dernier celui-là pour vrai. Je pense que c'est le dernier. Donc toujours on active le parachute, franchement. Il reste 35 personnes, il y a moyen rien que ça d'être dans le top 10. Et il y a moyen de faire le top 1, je sais pas s'il y a moyen. Mais on va, c'est pour ça qu'on teste aujourd'hui. Il y a un mec là, juste là. Il y a un mec juste là, regardez, il y a un petit Bambi juste là. Il se demande. Oh, j'espère juste qu'il va pas me toucher. On rentre dans la faille, les amis. Oh, franchement, ça serait tellement chouette qu'il me touche. Non, ne me touche pas, s'il te plaît. Et franchement, s'il arrive à me tuer comme ça. Ah ouais, franchement, ça serait plutôt galère. Du coup, on se dirige vers. Oh, il me tire dessus, le mec. Attends, tu te calmes. Putain, attends. On se dirige au deuxième endroit où il y a une faille. Ici, malheureusement, il n'y en a qu'une seule, mais il y en a une. Donc ça fait plutôt plaisir. Du coup, on va la prendre tranquillement. C'est parti, j'espère avoir de la chance. Parce que les amis, parce que la prochaine faille est la plus compliquée. Là, on se dirige vers la faille la plus compliquée. C'est la plus loin, c'est la plus loin. Donc j'espère qu'on ne va pas galérer, qu'on va réussir à trouver. C'est une faille qui se trouve vers la montagne. Il y a un mec qui me tire dessus. Il y a un mec qui me tire dessus. Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me? Oh, tu te calmes. Je peux rien faire. Je peux pas me défendre. Je peux rien y faire. Ok, yes, on voit une faille. On voit une faille magnifique, par contre, il y a quelqu'un qui a réussi à nous toucher. Mais le salopard, j'en reviens pas, il a réussi à nous toucher. Ok, nice. On va réussir à avoir la faille, du coup, magnifique. Je me demande s'il y en a encore une. Je ne pense pas, je pense pas qu'il y en a encore une. Du coup, on va se diriger vers l'autre endroit. Il me semble que c'est là-bas, ouais c'est là-bas. L'autre endroit, il y a une faille, j'espère que les failles auront spawné. J'espère, en fait, ce que j'espère le plus, c'est que les failles spawnent partout où je veux aller. Et que personne ne les a pris, en fait, ça serait juste magnifique. Ouh putain, j'ai eu peur que le mec me tue. Il m'a mis une balle, il aurait pu me mettre encore plus cher que ça, franchement. Donc ok, ici, il y a une faille. Magnifique, attends, il y en a encore une. Oh, il y en a même deux en bas. On va préférer prendre celles qui sont en bas, bien évidemment, d'abord. Ok, nice. Oh fuck les amis, oh fuck. J'ai oublié un truc important. Regardez la zone où, heureusement,
la zone est pile poil là où il faut. Ah ouais, c'est parfait. Par contre, là, j'ai peur de manger un bout de la zone. Ok. Du coup, ça, on se dirige encore vers le prochain. Le prochain est normalement juste là. Il me semble que je vois une faille. Ok. Ok, nice. Pour le moment, c'est parfait. À part le mec qui nous touche, qui a fait un peu chier. Pour le moment, c'est parfait. On a les failles qui sont apparues partout. Ok, on en a deux en dessous. Pour le moment, on est top 24. Top 24 sans toucher le sol. J'espère qu'on va réussir au moins à faire top 10. Ou imagine, franchement, on arrive à faire top 1. Le mec, il nous cherche partout. On est au-dessus de lui. Ça serait terrible. Ça serait terrible. Oh, damn. Regarde ça, la zone qui se... Mais qui, franchement, est super proche. J'ai failli me manger la zone, mais heureusement, on a eu de la chance à ce niveau-là. Ça fait plaisir. Ok, paf, tac, portail, ça s'est pris. On va au prochain et qui n'est pas super loin. Normalement, il devrait être ici en bas. Ok, attends, est-ce que j'en vois un? J'en vois un, effectivement. Est-ce qu'il y en a un deuxième? Parce que pour vrai, c'est de prendre un maximum. Le mieux, c'est d'en prendre un maximum. Comme ça, on est sûr de perdre le plus de temps possible. Il y a un mec juste là. Il y a un mec juste là, on espère qu'il va pas nous toucher. Il y a un autre portail juste là. Oh, franchement, le mec, j'espère qu'il va pas me voir. Qu'il va pas faire attention à moi. J'espère vraiment qu'il va pas faire attention à moi. Ok, nice. Il y en a un juste là, un autre portail. Ok. Ici, c'est vrai que dans la zone du désert, il y a pas mal de portails. Donc ça fait plaisir, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Par contre, la zone, elle n'est pas très favorable pour nous. Parce que dans cette zone-là, il n'y a aucun portail, les amis. Dans la zone-là, il n'y a vraiment aucun portail. Le mieux serait que la zone soit là. Mais là, à ce niveau-là, on n'a vraiment pas eu de chance, malheureusement. Ça, c'est plutôt triste. Et il nous reste une minute dans le désert pour continuer à chercher les portails et tout. Ok, attends, là j'ai pas l'air de voir les portails. Normalement, il y a des portails... Là, ok, je les vois. Ok, les portails sont ici, il y en a 4, ça c'est sympathique. 4 portails, ça fait plaisir, on va essayer de perdre un maximum de temps ici. Après, on a des portails vers... plus derrière Paradise Palm, mais je pense qu'ils ont tous été capturés par les joueurs. Parce que pour vrai, il y a pas mal de gens qui vont à Paradise Palm, du coup il y a moyen qu'ils aient disparu. Du coup, il nous reste encore 3 portails en dessous de nous. Putain, j'espère que ça va fonctionner. Top 16, les amis, top 16. Sans toucher le sol pour le moment. Ça fait plaisir. J'espère juste qu'on va pas manger la zone, pour vrai. Ah, les amis, malheureusement, je pense que nous allons nous manger la zone si je continue comme ça. Regardez ça, elle s'approche... super vite. Ah ouais, franchement là c'est vraiment galère hein, cette histoire là. Bon, je pense que je vais descendre. Il y a un mec qui m'a tiré dessus. Il y a un mec qui m'a sérieusement tiré dessus. What the fuck. Oh putain. Bon là je sais pas vraiment où aller. Normalement il y a des portails qui sont juste là. Mais là il faut vraiment de la chance hein, parce que là s'il y a pas de portail c'est la fin les amis. Là s'il y a pas de portail c'est la fin. Et je pense que c'est la fin mais je vois pas de portail. Et il y a un mec qui me tire dessus frère. Il y a vraiment... Ah si là-bas. Je vois un portail. Par contre il y a un mec qui me tire dessus. Il y a des mecs qui me tirent dessus, frère. Ok, je vois un portail, tant mieux. On continue notre traversée, les amis. Oh, damn. Ça me fait chier qu'il y a un mec qui est encore touché. Qui m'a encore touché. Pour vrai, c'est tellement triste. Ah, malheureusement, au niveau de la zone, on est vraiment pas chanceux. Hein. Au niveau de la zone, on est vraiment pas chanceux. Là-bas, il y a encore des portails, les amis. On continue notre traversée en mode portail, les amis. Allez, il faut vraiment pas que je mange la zone. On va essayer de seulement capturer ce petit portail-là. Oula, c'était chaud, j'ai failli me le fail. Et là les amis, je pense bien que c'est la fin. Il n'y a plus de portail. Il n'y a plus de portail dans la zone les amis. Malheureusement on n'a pas eu de chance. Si le cercle aurait été sur le désert, franchement il y aurait trop moyen. Mais malheureusement je pense pas qu'on va réussir à faire le top 1. Mais en tout cas ce fut une bonne expérience. On est top 8 les amis. On est top 8, on a réussi à rentrer dans le top 10 rien qu'avec cette technique. Mais pour vrai, je pense que ça fait de l'XP. Hein. Pour vrai, je pense que ça fait de l'XP. Parce que sur Fortnite Battle Royale, plus tu restes dans une partie, plus tu gagnes d'XP. Donc ça peut vous intéresser. Pour ceux qui savent pas, qui ont peur de combattre des ennemis, ça peut être une technique plutôt amusante. Pour vrai, testez ça chez vous. Essayez de faire la même chose que j'ai fait. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont réussi à faire un top 1 avec cette technique, je vous invite à m'en informer via Twitter. Pour vrai, ça pourrait être bien sympathique. Il y a des gens qui arrivent à faire mieux que moi. Genre là, j'ai fait top 8 sans toucher le sol. S'il y a des gens qui arrivent à faire top 3 sans toucher le sol, c'est encore mieux. Tu vois ce que je veux dire. Donc, n'hésitez pas à me partager ce genre de choses dans l'espace commentaire. Ça me fait vraiment...
extrêmement plaisir. Et sur Twitter aussi, si vous avez envie. Oh yes, un medkit. Un medkit, il va bien nous aider pour vrai. Pour nous regen, parce que on a eu plutôt mal, on va pas se mentir, là on a eu sévèrement mal à la nuit. Mais bon, allez, on a récupéré du stuff de pauvre, hein, le stuff qui n'a pas été récupéré par les autres ennemis. On va récolter un maximum de matériaux, et le mieux pour vrai, hein, qui serait fort sympathique, c'est qu'on fasse le top 1, voilà. Qu'on fasse le top 1 pour couronner le tout, ça serait juste magnifique. Donc j'espère avoir de la chance. Le problème, c'est qu'on a vraiment zéro matériaux, zéro arme intéressante. Du coup, j'espère avoir de la chance. Oh damn, mes amis, regardez. Regardez le petit Bambi sauvage devant moi. J'ai vu un Bambi. Il ne m'a pas vu, je l'ai vu. Top 4, les amis. Il n'a pas intérêt à me buter. Il n'a pas intérêt à me buter. Franchement, j'aurais trop la haine de finir cette game avec 0 kill. Oh putain, il est descendu. Non, reviens ici, mon ami. D'accord, je me suis fait bullshitter, frère, c'est du n'importe quoi, mais je lui ai mis 2x7 dégâts seulement, holy baby. Ok, attends, on va être safe, le mec il doit avoir un sniper ou chaîner quoi là, regarde, putain mec, aïe, j'ai tellement envie de lui mettre ça si, voilà. Ok, je me suis mangé un sale bullshit, heureusement je l'ai tué, mais ça me fait chier de manger des bullshit comme ça, mais j'ai plus de vie, il a intérêt à avoir un truc insympathique. Ok, il y a une scar, on dirait. Il y a une scar, j'espère jusqu'à là, je vais pas me faire backstab par un mec. Ouh putain, je vais pas te foire après ici si ça se passe, mec. Allez, vite, on fait vite. Il a quoi là? Fusil d'assaut à lunettes, putain, c'est de la merde. Voilà, c'est bon, ça c'est mieux. Putain, il n'y a pas de bandage ni rien. Oh non, ça c'est pas cool, ça par contre. Ah, niveau vie, on est franchement dans la merde. Hein. Je l'ai mal géré, le mec. Je lui ai peut-être mis une bombe boogie, mais ça n'a pas suffi pour vrai, les amis. Il n'avait pas de matériaux aussi, c'est un... Oh, mais quel clochard que... Oh, le mec, il avait zéro matériaux. Attends, par contre, là, je vois du stuff par terre, là-bas. J'espère... Parce que le problème, c'est que je ne vois pas où sont... Où est la position des ennemis. Ok, les amis, nous sommes en finale. Yes, un medkit ici. Oh, le stuff qu'il y a ici, bro. C'est déconné. Il y a du stuff. Ok, nice, on a 2 medkits. On va pouvoir se mettre à 100 HP. Malheureusement, j'ai pas vu de potion par terre. Nous sommes en finale, les amis, on a peut-être un kill, on a peut-être fait une game de merde, mais au moins je suis content d'avoir fait un top 8 sans toucher le sol. Pour vrai, ça c'est quand même super sympathique. Je me demande si j'ai bien fait, si j'ai pas fait record du monde. C'est peut-être bien possible, t'imagines ou quoi? Jean-Fils là, il vient de faire le record du monde en live, tu sais, oh my god, ça pourrait être super sympa quand même, pour vrai. Ok, un petit C4 ici. Une petite potion ici, on récupère tranquille, hein. Et j'ai la zone magnifique, ça c'est vraiment bien. Au niveau des constructions, j'ai que... Oh, ça m'a fait peur, les petits ballons, là. Au niveau des constructions, j'ai que 800... Enfin, 900. Il y a un mec. Je l'ai entendu. Je le vois. Il a pas l'air d'être super fort. Nice. Ok, il a mal. Il a mal, les amis. J'ai du C4. Oh, le shoot de merde, Jean-Fils. Oh, je suis trop nul, hein. Je sais pas ce qui m'arrive, là. What the fuck? Et j'ai plus de balles. J'ai plus de balles d'air, mec. J'ai plus de balles d'air. On se calme, poteau. On se calme. Merde. J'ai paniqué à la fin, j'ai utilisé le pompe, je me suis dit allez, on porte les coups sur la table et on joue qu'au pompe et le top 1, il est fait mon ami, le top 1, oh putain, oh franchement, première tentative de ce défi, malheureusement on n'a pas réussi à faire le top 1, on a quand même fait un top 8, franchement ça c'est plutôt sympathique et en plus de ça pour couronner tout le petit top 1, les amis, ça fait plaisir.
En tout cas les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo en ma compagnie sur Fortnite Battle Royale. Un maximum de pouces bleus en dessous de la vidéo, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Merci à toutes les personnes qui contribueront au pouce bleu, je vous kiffe. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Pour après les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!